Eh bien, yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va super. Les amis, avant que la vidéo commence, on n'oublie pas de s'abonner. Ça fera extrêmement plaisir, surtout pour ce qui va arriver. Ça va vous faire encore plus plaisir. Donc, vraiment, un grand s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne. Ça m'aidera pour développer cette chaîne YouTube. Donc, les amis, dans la description, vous savez, comme d'habitude, il y a le Discord communautaire où on essaie de créer une petite communauté multigaming. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir dire merci à cette petite communauté qu'on est en train de créer, et d'ailleurs j'en suis assez fier, donc n'hésitez pas à la rejoindre, tout le monde sont les bienvenus sur ce Discord. Il y a un Discord de la corporation de Star Citizen, donc la DG Team recrute toujours donc des gens sérieux qui sont capables de s'investir dans un jeu, comme Star Citizen qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, bien entendu. On n'est pas non plus des monstres. On sait très bien qu'on a tous une famille à côté, qu'on a des travails, enfin du travail, et qu'on ne peut pas être H24, bien entendu, sur Star Citizen. Donc, si vous êtes motivé, si vous avez marre de jouer solo, vous êtes même en groupe, que vous soyez vétéran ou nouveau, n'hésitez pas à rejoindre ce Discord, on recrute. Donc voilà, c'est dans la description. Par la même occasion, les amis, il y a le disque, mon code de parrainage. Donc, mon code de parrainage, c'est très important pour tous les nouveaux joueurs. Donc, je pense une fois de plus à l'IAE qui va arriver. Ça vous sera très, 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 très utile parce que ça fait gagner 5 000 AUEC à tous ceux qui mettent mon code de parrainage en plus de ce que vous gagnez quand vous arrivez directement sur le jeu. À bien prendre en compte parce que ça va être très important, même pour la Pro 24. Bon, une fois ça fini, les amis, je vais vous expliquer. Donc là, on se retrouve sur la page de la Pirate Witch. Donc, on va parler de ces petites pièces. Voilà. Ces petites pièces qui sont assez importantes. Que je pense que c'est le lot en fait de la Pirate Week. Donc, n'hésitez pas à me dire comment l'avoir. Non, je rigole, bien entendu. Si je suis là dans cette vidéo, c'est pour vous dire comment gagner le butin. Donc les amis, tout simplement, donc si vous regardez, si on lit le site, donc Semaine des Pirates 2024, et une fois de plus nous levons notre verre le ciel, donc ça c'est pour le, c'est pour le, en gros inaugurer la Pirate Week. Alors le futur, ça c'est pour les skins. Montrez-nous ton butin. À quoi Ok. Donc apparemment ça c'est un concours, je crois. On va regarder, hein, ça ne coûte vraiment rien. Mais je suppose que c'est un petit concours. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Un petit concours pour ceux qui ont envie. Moi, je vous le dis honnêtement, j'en bats les reins. J'aurais pu faire voir 50 000 cargaisons volées que j'ai fait, mais je ne l'ai pas. Affronter les saints. Donc c'est. Alors, à savoir, ce qu'on voit là, les amis, c'est ce qu'on a fait nous en vidéo il y a quelques jours, quelques heures de ça, d'accord? Donc, c'est bien pour vous dire, regardez, on va le voir juste là. Blockade Runner, c'est ce qu'on a fait là. Blockade Runner, regardez, on voit. Hop, c'est ici. D'accord? Donc, il y en a qui récupèrent les caisses pour les vendre et d'autres qui aident pour faire ce qu'ils veulent faire. Donc, les amis, on est bien entendu, j'ai pas envie de faire durer cette vidéo 50 000 ans, mais cette vidéo est aussi là pour que vous n'oubliez pas que c'est très important de vous abonner si vous voulez toujours avoir des contenus comme celui-ci. Donc là, on voit très bien qu'on peut mettre un code. Donc, bougez pas, laissez-moi le temps de le récupérer. Ce code, c'est bien entendu pour récupérer les jetons comme ça. Donc là, normalement, ils sont censés me dire qu'il est pas bon. Donc voilà, les amis. Donc, j'ai pas voulu vous montrer tout de suite parce que je suis pas bête. J'ai envie que les gens regardent la vidéo et ne spawnent pas directement à la fin. Donc, comme vous pouvez le voir, le code a déjà été utilisé. Donc, c'est cette petite pièce-là. Donc, je vais vous du coup montrer. Si le jeu veut bien, à propos, non. Tac, tac, hop. Alors, j'ai dit Star Citizen, pourquoi tu me. Bon, c'est pas grave, on va aller sur le home. Donc,
C'est juste pour vous montrer à quoi ressemble du coup le ce que vous gagnez. Voilà, c'est ça. C'est les petits les coins. Donc dette marqueuse 54 coin pièce dette marquée. Ok. Les défis de la semaine des pirates. Ok, donc voilà, c'est juste un truc qui est comme ça. Donc c'est pas non plus extraordinaire. Bien entendu, au moment où je vous parle actuellement, le code pour avoir les pièces s'affichera à l'écran depuis maintenant quelques minutes, même certainement au moment où je vous ai dit que je le mettrai à la fin. Ça c'est, bah, si ça se trouve, il s'affiche à ce moment-là. Mais en tout cas, voilà, il s'affichera à l'écran. Et au pire des cas, les amis, il sera dans la description. En tout cas, j'espère que vous aurez kiffé cette petite vidéo. On n'oublie pas de dire merci dans les commentaires, les amis, à la communauté notre petite communauté sur le Discord. Et encore plus à Anabolic qui l'a donné de lui-même. Donc un grand merci à toi, Anabolic, vraiment sincèrement, fond du cœur. Ça fait extrêmement plaisir de voir. Quelqu'un qui partage sans même rien attendre en retour. Donc, une fois de plus, merci à toi et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Justement.